Yo, les gars! Ouais, non, comme vous voyez, je suis en 0-0. À l'heure actuelle, il est 20h55 dimanche. Là, ces dernières semaines, avec Noël, Nouvel An, tout ça, on avait quand même enchaîné pas mal le dimanche, soit 15 matchs, soit même des fois 20 matchs. Mais 30 matchs en un coup, je l'ai pas fait cette année. Donc ça va être compliqué là. Ça va être compliqué, mais vous voyez, il nous reste quoi? 11h? 11h, il est 21h. Ouais, 8h du mat. À la base, normalement, un foot champ, ça prend 8h max. Donc on a le temps. Et normalement avec les rachides ça peut être un peu plus court. Puis on va essayer, après si je vois je suis au bout de ma vie, vas-y tant pis on ne finira pas. On sera le premier qu'on finit pas cette année, mais on va essayer. L'objectif là, normalement on avait dit ce week-end c'est 30-0 ou rien, mais je vous avoue que je pensais pas ne pas être là vendredi soir. Samedi je vous avais prévenu, je pouvais pas être là, mais vendredi je pensais faire 10 matchs pas. Et un petit empêchement. Du coup je vous avoue que là j'enlève ma promesse, il n'y a pas de 30-0 ou rien ce week-end. L'objectif c'est juste de le finir. Ça serait bien. Je vais jouer avec cette équipe. L'équipe que j'avais fait pour l'iClub là. L'équipe in-game c'est ça du coup. Tavernier milieu gauche, enfin milieu central gauche. Quadrado qui repasse latéral. En fait c'est la même équipe qu'on a habituellement. Hein. C'est juste que Pogba il est remplacé par Tavernier. Il fait que appuyer sur L2 lui. Son joueur il fait que... que marcher. Ce mec là tu cours c'est fini. Allez, un rush kit. Non. Let's go le premier. Et après j'ai un PC portable mais pareil qui bug aussi. Mais ça dépanne quoi. Ça dépanne on va dire. Ça va vite en contre. Parfait. Oh, je dis parfait, mais il a failli être à côté en fait. Il sait même mettre des coups francs. Voilà. Ah, il est trop fort. Je l'avais même retesté un début d'un autre foot champ. Il a été nul. Je fais les swaps avec lui, il pue la merde contre des vieilles équipes. C'est mort, Firmi. C'est mort, il est trop nul. Chez moi en tout cas, genre je parle chez moi, dans mon club, sur. Sur mon jeu, il est trop nul. Je sais que chez certains, il est bon. Chez moi, il est trop nul. S'il y a tout le monde derrière, donc faut vraiment se creuser la tête pour se créer une occasion. Il défend pas trop mal non plus. Ouais, c'est que j'ai des actions toutes faites. Il n'y en a pas une qui rentre. Elle rentre, celle-là. Ah là, putain. Les rediff Balek. Oui, toi, Balek. Mais il y a tellement de gens genre qui regardent les rediff. Pas en entier, hein, mais genre des bouts. Genre voir un match qu'ils ont manqué, voir la fin. Combien j'ai fait tout ça? Trop de gens, je sais pas. Les joueurs CR. On est sur une moyenne de 1-30-0 tous les 15 jours. Après, il y a eu 13 fut de chambre, j'ai fait 7 fois 30. Mais là, ça fait 2 week-ends, je fais 29. Donc j'aimerais bien refaire 30 cette semaine. Mais cette semaine, franchement, j'ai du mal un peu à y croire. Il y a trop de matchs. Player pick. Ok, merci. On est reparti. Oh vas-y je abuse. Il avait mal défendu. J'ai voulu le feinter alors qu'il était, il avait déjà mal défendu de base. Voilà, là je l'ai eu. Moi il y a un moment il y avait 1-1, il y a eu but refusé Bilbao. Après il y a eu 2-1 Barça. J'ai rien vu depuis. Je préfère Cancelo, RTTF, Tavernier, je sais pas, je joue pas, moi je joue pas Tavernier latéral, donc je peux pas vous comparer à des latéraux. Moi je joue qu'à Tavernier milieu défensif, mais à milieu centre. Mais après en latéral, vu comment il est fort au milieu, je pense qu'en latéral il doit être trop fort aussi. Hein. Allez, Memphis. Le nail.
Oh, bien joué. Au début du jeu, quand vous avez, je me rappelle, on l'a déjà fait ce sondage là. Au début du jeu, quand vous avez un sondage, tout le monde disait FIFA 21. Mais je suis sûr que là, à l'heure actuelle, c'est plus trop ça. Oh là, Mbappé. Oh, il m'a baisé de fou, je m'attendais tellement pas à dribble. Oh, mais j'abuse de ouf, je défends trop mal. Je sais. Putain, j'ai oublié d'enlever la cible, je suis trop con. Là, c'est trop. Attends, il était hors jeu, mon Deulofeu. Mais non, même pas. Mais pourquoi mon Deulofeu va pas marquer là? Pourquoi je fais pas la passe? Je suis sérieux, moi. J'ai vraiment pas fait la passe là. Non, non, non. Je mérite que ça. J'ai vraiment pas fait la passe là. Mais je suis aveugle ou quoi? Moi, j'ai quand même pas de chance, quoi. Là, pourquoi mon Deulofeu, regardez, il veut pas. Oh, le con. Mon Cuadrado, le gars, il a 7 de colu. Il est bien. Hein. Très, très bien. Hein. Incroyable. Par jeu. Parfait. Parfait, le son de CRBG. Je vois la première question que je vois. C'est Tavernier. Tavernier. Attends, quoi, c'était quoi? Tavernier a un sacré cul. Mais vous êtes sérieux, quoi? Plus défensivement, il y a la place de lui en mettre quand même. Ouais. Parfait. Dans la merde, dans l'axe, il est tout seul. Ah, ça, c'est les risques quand tu joues haut. C'est des situations comme ça. Des fois, ça peut vraiment être la merde. Il faut que j'en mette le plus possible. Parfait. Parfait, parfait. Puis on joue des meilleurs joueurs aussi. Lui, il y a 4-0 mi-temps, mais il... c'est le mec qui maîtrise le mieux le jeu qu'on ait joué ce week-end. Hein. Des matchs comme ça, même si on gagne 4-0, je sais que je peux prendre la foudre. Donc, faut pas, faut qu'on reste concentré. Voilà, voilà pourquoi j'ouvre ma gueule. Que j'en prenne un autre parce qu'après il va activer le pressing et là on peut en prendre facilement plusieurs quoi. Voilà pourquoi j'ouvre ma gueule. Putain mais à chaque fois je parle, genre je prends un but, c'est incroyable. Là, vous voyez mes pauses, pressing constant. Et là c'est finito pipo, 4-4. Oh là là là, en plus tout ce qu'il fait, il le met. On va perdre un match où on met 4-0 mi-temps, c'est terrible. Là, le double A, ceux qui demandent, ça fait quoi? Vous voyez la passe? S'il fait A là, elle a aucune chance de passer, j'ai mon joueur. Mais il fait double A, attends, je peux vous montrer. Regardez la balle quand même, tu vois, elle est à mi-hauteur. C'est pour ça que c'est cheaté. Et la défenseur, il intervient, sauf qu'elle est au-dessus de son genou. Il peut rien faire. S'il fait A, hop, vous voyez là. C'est ça que c'est trop fort. Moi j'en fais beaucoup ici. J'essaie d'en faire de plus en plus, c'est trop fort. Ça lève un peu la balle. Tu peux faire pareil avec double Y. Hop là, tu vois, bien joué. Je suis un peu dans la sauce là. Oh putain, en plus il avait mal joué sur la fin. J'ai défendu comme. Je fais trop de la merde. Et là, ça se voit, j'ai enchaîné 20 matchs. Je fais trop de la merde. Mes 3 derniers matchs, c'est horrible. Oui, bien joué. Comment il est passé à travers hein? Et vas-y, vous voyez, je taille Beckham. Oh, oh, mais toujours plus. Mais arrête. J'active pressing alors qu'il faut surtout pas l'activer dans cette situation. Ouais, non, je suis trop nul. Là, il va être perdu ce match. Je pense que je suis trop nul, j'y arrive plus. Mbappé. Comment ça 6 mètres? Ah 6 mètres ça me va en fait. Ah c'était bien le bon choix là en fait. C'était tellement fort le pressing, c'est incroyable. Ah les gars, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les 6 mètres, quand vous jouez contre des mecs qui sont bons et qui savent qu'il faut presser, ne les jouez plus à deux. Hein. Dégagez-les. Ou alors, si vous voyez qu'ils pressent, dégagez direct. Mais il faut, c'est impossible de se ressortir d'un seul. Non. Oh il m'avait fumé. Pourquoi je m'avais fumé par un mec qui lâche Shooker, Coman, Beckham devant? Je me fais fumer. Oh, j'ai oublié d'enlever la cible, mais j'ai pensé au dernier moment. Il fallait le mettre. Can't repent with it. They're not creative enough to make the music I did with the same beat, same
On récup le dernier player pick. Pour le moment, on a eu deux joueurs à 81. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous un bon. Allez. Des pailles. Bah, c'est mieux, hein. Mais c'est plus la merde quand même. Voilà, c'est ceux que j'ai eu tout à l'heure, c'est eux. J'ai eu Thomas et Hoffman. Et le troisième, Hinteregger. Voilà. Voilà les trois rouges. Oh non, c'est encore lui! C'est un mec qui fait les qualifs. On l'a joué la dernière fois, lui. Mais il sait même pas, il m'aime pas, il me déteste. Depuis quelques semaines. Soit dans les récompenses ou dans le jeu. Oh le bâtard. Non, j'avais... Tu vois pourquoi moi, mon défenseur, il l'avait... Il a dit que je pas. C'est marrant, encore le but que je prends, mais c'est trop. Vide ma mère, c'est trop. Ouais, moi aussi j'ai le contre. Un partout au moins. Ça équilibre. J'étais allé la chercher son gardien. Let's go le Ney. Clébard au sol. Vous voyez le double A là, comment il est assisté, comment elle passe. Jamais ça passe si je fais pas un double A. Aïe aïe. Ouais, c'est mérité parce que déjà tout à l'heure il doit le prendre quand il fait le Y sur 8, il refait la même erreur deux fois. Vraiment ça les gars, le truc à pas faire, hein. Quand le mec il a le pressing, ne pas envoyer une passe à vos milieux, hein. C'est impossible de s'en sortir après. Passe pas le milieu de terrain, c'est terrible. Putain, enfin hein. Bien joué le Ney. Comment tu fais ce genre de centre? C'est R. Si t'es en classique, c'est R1 centre. C'est les centres tendus, genre. Ils sont cheatés. En fait, si ton attaquant prend le dessus, si tu vois que ton attaquant prend le dessus sur le défenseur, tu le fais, il y a quasiment but à chaque fois. Pressing collectif, je l'active quand? Dans quelles circonstances? En fut de chambre, je l'active n'importe quand. Parce que je joue, tu vois, je suis pas trop concentré, je fais un peu nain, puis j'ai la flemme, tu vois, d'attendre. Donc presser, c'est cool. Contre des mecs beaucoup moins forts que toi, tu peux les presser n'importe quand, ils vont perdre des ballons, donc t'es gagnant. Après, à haut niveau, niveau pro et tout, compétition, je l'utilise sur les 6 mètres, sur certaines touches loin dans le camp adverse. Et tous les 6 mètres, je mets le pressing, c'est cheaté. Ça force le mec à jouer long et après, c'est un duel aérien et tu peux la gagner une fois sur deux, tu vas gagner la tête. Merci mon pote. Jouer c'est Tavernier, je crois, qui fait la diff. Hein. Merci, mon pote. Non, j'avais. Là, c'était crack. L'action, c'était crack. Stop and turn, cancel. Scoop turn pour remettre, je l'avais tué. Comment il rate, Kiki? Non, ça, c'était bien joué, là. Là, ça m'avait plu ce que j'avais fait. Dernier le goût. Non mais Tavernier, c'est pas tiré. Mais qu'est-ce qu'il est fort dans le jeu, mais il s'est pas tiré.
Même pied droit. Oh, comment il rate ça? Mais par contre, c'est trop, il est trop fort. Oh là là. Je suis vraiment con. Ney, Ney, qu'est-ce que tu branles? Je tire où? Le premier qui me dit je suis. J'ai écouté le premier message, il y a quelqu'un qui retire au même endroit. Taverny qui rate la manquable, Neymar qui rate la manquable. 45e compte favorable. Oh tiens, il a le contre en plus. Oh, c'est terrible. En train de prendre une douille phénoménale. Oh, il est boussure. Non, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est pas mérité, mais bien joué. Il est boss. Ouais, bon, on ira pas au péno. Putain! J'en ai marre! Genre, les pénaux, y'a rien. C'est surtout le. Les deux ratés sont à moitié sans gardien, quoi. Il me tue. Bien joué, Kiki. Ça part. Kiki. Mais comment il me rattrape? Ok, bah on finit full champ sur ça. On a fait les 30 matchs en 6 heures. Ça va en vrai. Ça allait quand même assez vite, mais je vous jure, je suis KO, j'en peux plus. Comme je disais, si on m'avait fait signer tout de suite là au début, tu fais 29, j'aurais signé direct. Mais là, perdre à l'avant-dernier match, c'est dans un match où tu rates deux pénaux, tu vas au prolong en ratant deux pénaux, plus les deux immanquables de Ney et Tavernier. Et derrière, en plus, je prends un but 45ème qui est horrible. Oh, c'était du monumental quoi. Mais au moins on a le top 200 encore.